Et coucou YouTube et bienvenue pour cette rediff du Not So Berry. Je m'en doutais qu'elle allait avoir un chanchant tout de suite comme ça. Comme du YouTube ici Twitch. Tout à fait, n'hésitez pas à nous rejoindre, hein, c'est gratuit sur Twitch et on se marre bien. Je suis très souvent en live pour dire beaucoup de conneries d'ailleurs. Hein, et voilà. Petite nouveauté, vu que hier, là on enregistre, on est mercredi, sont sortis les kits, les Mickey Tricky Kits, comme vous voulez, look rétro, cuisine et aspirateur, on va dire ça comme ça. Du coup, ben, nos petits Rainbow, ils ont une nouvelle cuisine, qui est donc de toute rose vêtue, avec le nouveau kit, voilà, le mini kit Tricky Kit. Donc ils ont une jolie petite cuisine, tout a été refait, sauf la poubelle, le truc à glace et la décoration. Voilà, c'est tout nouveau. Et ils ont bien sûr, le super aspirateur pour aspirer de la mort. Voilà, j'espère que vous êtes déjà très excités de me voir m'énerver sur les poussières, parce que je pense que ça va être relou. Les enfants ont été relooked. Toya est une bombe atomique en devenir. Alors que Dahlia retourne se coucher parce qu'il est lundi et que tu dois aller dormir. Voilà, qui est 5h30, tu vas pas te lever. C'est parti, on va pouvoir jouer. Et il se lève déjà pour aller en cours. Melba a été relookée également. Hein. Voilà, la petite bichette. Alors par contre, quand tu sens que tu dois te pisser dessus, je te conseille juste d'y aller. Parce que chez moi, les Sims ont tendance à se pisser dessus facilement. Hein, donc je préfère que tu... Voilà. Quitte que tu manges pas, ça c'est pas un souci. Mais au moins que tu pisses. C'est mieux. Pour le rendement, c'est plus facile. Vous êtes trop mignons. Et salut Béatrice, comment vas-tu? Il aurait dû faire une mort avec l'aspirateur. Se faire aspirer. Les boyaux. Et merci 1, 2, 3 squad pour ton follow. Bienvenue à toi. Et bah bienvenue, comment vas-tu? D'ailleurs, du coup, on arrive bientôt aux 2200. Avec toute cette histoire. Ah, et sachez que le beau petit Cham Cham, sexy, il a une nouvelle petite tenue de sport. Hein, hein, on va vous la montrer, vous inquiétez pas. Restez calme, ça devrait aller. Et notre fils, très sexy. Vivement qu'il aille courir, hein, je vous le dis, moi celui-là. Par contre, tu peux aller en cours aussi, toi. Allez, tout le monde en cours, là. Tout le monde à l'école. De sales gosses. Tout va bien. C'est une alerte comme quoi mon antivirus n'est pas à jour, mais je le savais très bien. Tout va bien, c'était chez moi. Ça va un peu mieux, tu es en convalescence. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Bah tant mieux si ça va mieux. Moi ça va. J'étais beaucoup fatiguée aujourd'hui, mais je me suis bourrée de sucre et j'ai un regain d'énergie. C'est pas plus mal parce que vu que je dois faire un live, ça aide. Qu'est-ce que tu fais toi? Elle veut manger de la glace. Ah, c'est... À toi, Aya. Qu'est-ce que c'est? Ah! Je suis sûre qu'on commence déjà à avoir des lapins. Ah bah voilà, on a déjà de la poufringue partout. Oh! Petit lapin! Le petit lapin! Ah, les gens qui râlaient de ne pas voir d'autres animaux. Bah voilà! Regardez-moi ce petit lapin. Mais il est mimi, le petit lapin pin. Il est tout mignon, le petit lapin pin. Ah non, je fais pas de Fortnite. Demande à The Kairi, je lui ai déjà dit. J'en ai fait. Mais ça remonte à un moment maintenant. Ça remonte il y a 3 ans, la dernière fois peut-être que j'ai joué. Il est beau le lapin! Qu'est-ce que... Regardez, il creuse son trou dans la poussière. Ah non, Nani. Non, on en a 3. Ça... En général, le 4e est toujours le mal-aimé de la famille. Du coup, je vais me contenter de 3. Surtout que sur les 3, on a un garçon. Alors, on a un risque d'avoir encore un mâle en héritier. Et que j'ai pas envie de me risquer à ça. C'est pas qu'on n'aime pas les gars. Sauf que
pour ceux qui connaissent pas, voilà, ici c'est les héritiers, hein. On a commencé avec Pepper, qui est la première de notre Sauberry. Ensuite, on a continué avec Bordeaux, qui était son fils, qui a gagné pour héritier. Ah ! Je déteste quand ça fait ça, quand je suis en pleine contemplation. Nous avons Pulcot, fils unique de Bordeaux, donc forcément encore un homme. Nuage, Lila, puis Copper, puis Chamallow. Donc en fait, on est quand même à 4 mecs. Et on a eu que 3 meufs en héritier, donc juste par un souci d'équité. C'est vrai que normalement, c'est généralement les filles qui sont toujours héritières. Mais là, on a un peu plus de mecs. Donc juste, j'aimerais que ce soit encore une fille qui prenne la relève, quoi. Alors, on va influencer l'empathie. Il va pas bosser, lui ? Ah, il bosse à 11h. Ouais, voilà, j'allais dire, drague là, parce que... Elle doute, là, elle est en plein doute. Ah, ils sont toujours pas mariés. J'avais oublié encore cette histoire, moi. Allez, j'ai strabisme le lapin. Mais non, pas du tout. Regarde. Il est trop mignon. Et là, il fait des bons, en plus. Il fait des bons. C'est trop mignon. Moi, je veux une peluche lapin comme ça. 100% les poussières. Mais une petite peluche, là, comme ça, qui fait des... C'est chouchou. Bah, c'est des poussières qui... Les yeux, c'est des boutons qui traînent par terre, en fait. On a tous des boutons qui traînent sous le canapé. Alors, Jacqueline... Alors, oui, mais attends. Ouais, toi, tu... Il est où l'aspirateur? Ah, bah, elle l'a déjà embarqué. Ok, bon, bah, elle a déjà embarqué l'aspirateur. Tant mieux, hein, écoutez. Hein, elle a compris. Oh, il y en a un autre, là. Trop mignon. Est-ce que vous voulez qu'on tente le truc... on va lui donner à manger et tout, ouais, avant. Tu vas la nourrir avec de la poussière, parce que... les lapins de poussière mangent de la poussière. C'est trop chouchou. Miam. Donc là, normalement, il devrait être content. J'attends qu'il réagisse. Sinon, tu peux demander à Peluche de poussière chercher des objets de valeur. Vas-y. Fais-nous plaisir. Ah, on a les factures qui sont arrivées. C'est quoi, ça? De l'or? Peluche de poussière a trouvé un jouet couvert de poussière. Ouais. J'aurais préféré que tu nous trouves un peu plus de choses. Bon. C'est pas grave. On va demander à l'autre. Qu'est-ce que c'est que ça, là? Il y a des... Il y a celui-là. Va lui donner de la mûre. Et après, tu lui demanderas de nous ramener de la thune. Ça, on n'est pas pauvres. Mais... C'est toujours bon à prendre. Jean-Claude, là? Si tu veux être sur l'ordi, tu travailles un peu. Paye les factures. Ça te fera du bien. Et écrire, reprendre l'écriture de l'enfant du congélo. Je suis sûre que c'est un best-seller. Pourquoi il est pas au boulot? Pourquoi t'es pas au boulot? Va bosser. Mais pourquoi il est pas parti au boulot, monsieur? Mais ça se désactive le ménage si jamais ça casse les pieds. Apparemment, oui. Alors, l'autre, elle est pas contente. Elle a pas réussi à ramener. Niveau faible. Oh non, mais on a des lapins, on a des hamsters, on a des enfants. Ça suffit, hein, maintenant. On a trop de trucs, nous. Ah bah. Bon, bah elle a tout compris à la vie. Elle passe elle-même le truc. Alors sachez que ça, c'est vraiment le plus puissant, c'est le plus cher. Voilà, c'est déjà nickel. Et du coup, les petits lapins sont partis. Enfin, je crois que ça nettoie à chaque fois l'étage entier, c'est-à-dire que tout le rez-de-chaussée. Et parce que vous voyez, à l'étage, on a déjà un peu de poussière. Par contre, ça fait vraiment très crade. Hein. Ça, c'est clair et net. Hein. Ça fait très 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 cracra. Mais bon, voilà, ça fait réaliste, quoi. Pour ceux qui ont un aspirateur, quoi, je veux dire. T'avais peur de ça aussi, mais je pense que, ouais, en faisant option du jeu, on a gameplay, non, paramètres de pack. Donc on a air de gloire, écologie, nettoyage de printemps. Donc voilà, moi j'ai activé. Pour que, comme ça, on verra bien. C'est le début, donc pour l'instant, on découvre et tout. Et puis le jour où on sera saoulé, vous pourrez désactiver.
Est-ce que ce jour arrivera, hein, un peu comme écologie et les plans d'action. Bah disons quoi, ouais, il y a certains de mes let's play, je vais pas le faire, par exemple Lord and Lady, je me vois mal avec un aspirateur en fait. Donc il y aura je vais les désactiver direct parce que sinon ils vivront dans la poussière et ils pourront jamais nettoyer. Ouais, ou les styles de vie, mais les styles de vie on peut pas les désactiver, c'est ça qui est chiant. Du coup elle est contente. Prends soin d'une peluche de poussière. En nourrissant et en caressant une peluche de poussière, Marina rend les amis de poussière du foyer aussi heureux que possible. Bien sûr, ce sont toujours des boules de poussière, de peluches, de cheveux et de débris réunis par l'électricité statique et la magie, mais ils peuvent aussi être des membres à part entière du foyer douillet de Marina. Oh, c'est beau. Oh, je vais pleurer. Qu'est-ce qu'elle fait? Ouais. Je croyais qu'il y avait un... Non, non, c'est les hamsters qui queen, là. Va jouer avec les deux parce que je crois qu'il... Ah non, pas lui. Mais Roger, il a besoin, là. C'est bien, les filles, elles rencontrent des enfants. Alors, est-ce qu'on est direct et honnête et on ajoute des compliments pour une évaluation sévère d'un collègue? Qu'est-ce que vous en dites dans le chat? Coucou, Mamie Oda, comment vas-tu? On peut les désactiver, les styles de vie? Ouais. Ah ouais, je le ferai un jour parce que... Enfin, là, pour l'instant, ça me saoule pas trop. Disons que quand c'est des styles de vie, comme chez Iowa, où il est blasé parce qu'il fait pas... Enfin, à un moment donné, c'est chiant. Pour certains, ça peut être très chiant, en fait. Coucou Marine, comment vas-tu? Merci Ricardo, comment vas-tu? Et coucou TBPL14. J'y arriverai jamais avec ton pseudo. Trop compliqué. Alors, nous avons... Direct et honnête. Honnête, direct et honnête, direct et honnête. Nous sommes à 5 contre 0. Ah bah voilà, Martial a fait un petit sondage, donc n'hésitez pas à répondre dans le sondage. Comme ça, je saurai directement. Le sondage va prendre fin. C'est maintenant, si vous voulez, que je clique sur ajouter les compliments. Sinon, c'est être honnête qui sera validé. Parce que là, il y a une très très grosse avance de 14 voix. Donc sauf si vous êtes 15. C'est... voilà. Maintenant, il y a 13 voix d'avance. Mais je vais m'apprêter à cliquer sur être honnête, être direct et honnête. Moi perso, je mets toujours avec compliment parce que c'est pas agréable de se faire gueuler dessus, de se croire qu'on finalement tu ressors de là, t'as l'impression d'être une grosse merde, hein. RPZ, mon ancienne boîte, hein. Merci à vous, c'est toujours très agréable. Voilà, et il reste quelques secondes, c'est impossible à battre. C'est donc être honnête. Voilà, gain de performance moyen. Tu vas discuter avec des collègues. Oui, c'est vrai que je suis pas avec lui, mais il a... Oh bah dis, il va bientôt nous faire une promotion, là, le petit chou, là. Qu'est-ce que tu fais? Non! Touche pas le gâtal! Tu l'as déjà coupé, le gâtal. Non, tu touches pas le gâtal. Si c'était un gâteau que j'avais fait exprès pour les anniversaires, tu vas voir. Tu vas voir ce que tu vas voir, toi. Bon, alors, sachant que elle, à la base, elle est photographe et qu'on doit gagner notre vie en faisant des photos, mais elle nous a pondu des enfants, donc pour l'instant, voilà, il y a le jardin qu'il faut, il faut s'occuper. Donc, bah, il y a quelqu'un à la maison, en fait. Bon, bah, tu peux faire le ménage. Et du coup, bah, on va en profiter, hein, qu'elle est là, on va passer l'aspirateur ici. Oh! Le petit lapin peint, il est trop choupi. Va lui redonner à bouffer, tiens. Enfin, à bouffer. Waouh, waouh. Elle aime bien. Alors, en fait, ils sont pas dérangés par la... Quand il y a un peu de poussière comme ça, ils aiment bien. Ils disent oui, oh, c'est habité, c'est bien, c'est logique et tout. Sauf que ça s'accumule assez vite. Et que, ben, après, ils aiment plus du tout. Va lui demander de chercher des trésors. Oh, il veut des carottes! On en a en plus des carottes. Alors, qu'est-ce qu'elle a gagné? Chercher quelque chose qui pourrait exprimer son état d'esprit. Un morceau de fruit ou de légumes pourri, recouvert de poussière. Du coup, Marina, qu'est-ce qu'elle fait en réponse? Elle dit, ah ouais, tu m'offres des trucs pourris? Bah tiens, moi je vais t'aspirer le cul, tu vas voir ça. Ah, en plus c'est un fruit bizarre! Pour devenir voisin-zin.
C'est super. Oui, j'ai mis la nouvelle cuisine, bon, mamie. Bon, finalement, j'ai pas d'inspi, donc je reviens, je suis tout à vous. Oui, j'ai installé les meubles de la nouvelle cuisine. Bah, tant qu'à faire, tu vois. Comme ça, on a un peu tapé dans les trois kits aujourd'hui. Bon, puis aujourd'hui, on fait le ménage, quoi. Va voir si je suis dans l'aspirateur. Ah, rien, il est parti, le lapin. Parti, le lapin. Oh, projet scolaire pour les enfants. Chouette. On est content. Alors, tu vas commencer, tu vas prendre des restes, toi. Bah, tu vas venir ici parce que sinon, ils vont pas pouvoir. Toi, tu pues, Toya. Alors, tu vas prendre une douche. Ils vont tous manger. Mais quoi? Mais... Tu te calmes. Ah, ils me rendent dingue. Ils me rendent tous dingue, ces gosses. Tous, dans tous les challenges confondus. Ah, mais toi aussi, t'es pas en super forme. Voilà, toi, tu vas prendre des restes. Une fois qu'il aura fini de manger, de se doucher, il ira manger également. Voilà, prendre des restes. Toi, une fois après manger, t'iras aux toilettes. Ça, c'est de la micro-gestion. Et merci beaucoup à Lavia pour ton... À Lavia, c'est mère. Ah, c'est mère pour ton follow et bienvenue à toi. J'ai oublié le plein important QQ YouTube. Bonjour maman. Tout à fait. Qu'est-ce qu'ils ont les... Bon, ils ont... Ça va, ils ont rien. Et après, ils iront faire leur petit devoir. Vous savez qu'au tout début, en fait, j'avais installé les trois kits et j'étais en train de remplir la maison que j'ai faite pour les vidéos YouTube. Et je voyais que ça clignotait, même quand j'étais en construction. Je me suis dit, c'est quoi ce merdier? Jusqu'à temps que je me dise, ah, mais ça veut dire que c'est propre. C'est-à-dire que même en construction, vous aurez que ces trucs qui clignotent, hein, qui font des petites étincelles. J'avais pas capté au départ. Oh là là! J'ai vu le zizi de mon frère! Et va pisser de en haut si tu veux. Oui, ça va, à son âge, il n'y a pas grand chose à voir. Elle va pas y retourner quand même. Non, ça va, elle va aller en haut. Non, parce que bon. Oh, le zizi de mon frère! C'est pas quelque chose qu'on a envie de voir tous les jours. Ben, est-ce qu'ils auront assez de place? Ouais, ça c'est bien. Allez hop, tout le monde va travailler dans sa chambre. Incroyable, mais vrai. Hop! Voilà. Donc la maison est rose parce qu'on sait la génération rose. Hein. Voilà. Ça vous semble logique, j'espère. Voilà, commence déjà à travailler, Dalia. Coucou, Ems Rose, comment vas-tu? Oui. Il y a trois nouveaux tout petits kits, des mini-kits, des riki-kits qui sont apparus hier. Et bah là, dans notre sobriété, on les essaye. On t'a raté le passage d'aspirateur, mais on a la nouvelle cuisine qui est là. Et au niveau fringues, ben... Faudrait qu'elle se mette en tenue de sport, parce que sinon, j'en ai pas. Sur elle, j'en ai pas. Et notre petit chamallow, bah lui, pareil, il est au boulot, donc je pourrais pas te le montrer tout de suite. Ça me stresse quand ça clignote tout le temps. Bah oui, mais c'est bien, ça veut dire que c'est propre. J'avoue que t'as forcément l'œil attiré là où ça clignote, en fait, parce que bah, t'as pas l'habitude, je pense, surtout. Du coup, bah t'es attiré, t'as ton œil qui dit « Qu'est-ce que c'est quoi ?» Quoi ? Non, y a rien, c'est juste, c'est propre. Ah. Parce que moi, chez moi, ça fait pas des... ça. Ah, c'est peut-être parce que c'est pas propre. Oui, bah, en même temps, j'ai un chat qui perd ses poils. Hein, donc, oh, tout à l'heure, je l'ai brossé. J'avais la main remplie de poils comme ça, que j'avais enlevé. Ah, lui, il était content. Hein. Mais, elle est déjà en train de repasser l'aspirateur? Ok. Je crois qu'ils aiment beaucoup passer l'aspirateur. Sachant que c'est absolument pas sale, alors bon. C'est pas grave, on va demander, tu vas demander à ta mère de venir pour le projet. Elle va aider la fille, l'aînée, et après elle aidera les autres, hein, mais vous inquiétez pas. Quand Chamallow reviendra, bah lui peut-être qu'il travaillera. Oh,
initiative au recyclage. Quel bonheur. Comme ça, il travaillera aussi. Le coup de barre d'un coup. C'est pas comme si M6 va faire une émission que le but, c'est de voir des gens à poil. D'accord, Quentin. Je vois pas le rapport, mais ok. Très bien. Titi d'amour, c'est ça. Le bug de la spi. Non, mais je pense que quand ils ont rien à faire, ils vont nettoyer. C'est leur nouveau joujou. C'est comme nous. On a le kit, on y joue tout de suite. Bah eux, ils sont... Oh, un aspirateur. Super. Ça. Tu avais les nouvelles aspirations. Il y en a une avec la netteté. En vrai, on pourrait lui prendre, elle. On s'en fout, en vrai. Elle peut l'avoir. Donc, c'est dans le lieu. Hop. Non, c'est pas dans le lieu. Si, parfaitement impeccable. Voilà. On va lui mettre. Comme ça, on la fera. Nettoyer 3 objets de cuisine ou de salle de bain. Passer l'aspirateur pendant 3 heures. Laver 3 assiettes et vider la poubelle. Pour la première truc. Donc, ça va. Ils connaissent pas la corvée. Roger est encore, nous a encore envoyé une carte postale. Il est incroyable, ce Roger. Est-ce que c'est quelque chose qu'on a déjà ou pas? Bradenton Bay, je crois qu'on l'a déjà. Ouais. Oh zut, un Roger, hein. Faut arrêter de nous envoyer des cartes postales qu'on a déjà. Hein. Ça, c'est 4 cartes postales que le rongeur nous a envoyées. Parce que sachant que on a déjà la collection de cartes postales qu'il y a avec le palmarès qui est là. 2 complètes. Donc, je vais regarder. C'est où, c'est là. S'il nous en reste beaucoup de cartes postales. Ah, il nous en reste 3 quand même. 3 avec le kit animal de compagnie. Paysage Lunarlex. Il nous en reste 3, donc tranquillement, on verra si on y arrive. Oui, promotion pour Cham Cham. Bah alors, beau gosse, mince, j'ai pas lu. Promu au poste de rédacteur d'articles indépendants, il gagnera désormais 8 simflouz de plus par heure, soit 49 simflouz de l'euro total. Également reçu bonus 509 simflouz, nature morte avec une pomme, une cruche, des livres, des bouteilles et des fleurs. Ça en fait des choses. Et interaction proposée, une idée d'histoire. Eh bah dis donc, mon coco. Ça va faire cette tête-là, hein. Tu vas... Viens te détendre. Tu vas t'occuper de ton jardin. Voilà, tu entretiens, quoi. Tu te démerdes. La nature, tout ça, ça devrait te faire du bien, mon petit chou. Hein? Alors maintenant que notre héritier est revenu, on va focus un peu sur lui. C'est quoi la récompense pour l'aspiration? Je sais pas du tout, Kikissim. Peut-être que... Je sais pas. Ça, on le sait à un moment donné? Peut-être en cliquant dessus? Parfaitement impeccable. Ouais, je sais pas du tout. On le sait comment, ça? On le sait que quand on le gagne, l'aspiration, j'imagine. Je verrai bien. Bonne heure, Guillaume. Et que Wonder Lily, comment vas-tu? Ça fait longtemps que je t'ai pas passé, non? Je me trompe? Eh, il y a une autre avec la saleté? Je l'ai même pas vue. Honte à moi. Bah, en fait, ça clignotait pas. Donc, ah oui, j'avais pas vu. J'avais pas vu, il y a fabuleusement sale. Oh. Ah, le trait de récompense adepte de la saleté. Et là, donc ça doit être adepte rapide et efficace. Très bien. Ah oui, j'avais jamais fait gaffe qu'on voyait directement le truc ici de récompense. Ah ouais, ok, très bien. Je ne savais pas. Merci beaucoup, Louis dans Lily, c'est gentil. Bravo pour la promo de Cham Cham, ma vie. Bah oui, hein, ça demande du taf, hein, pour ton jardin, mais bon, qu'est-ce que tu veux faire? Alors, t'es bugué avec ton bouquin, toi. À qui la compétence physiologie? Ah, Dahlia termine son projet. Oui, tu vas le mettre dans ton inventaire. Et après, tu vas aider ta sœur. Et maman aussi. Voilà. Ouh, mes oreilles. Oh, merci beaucoup, Marine, pour l'abonnement, Camille. Merci énormément. Qu'est-ce que vous avez? Pourquoi vous glissez vos cartes bleues comme ça, là? Laissez vos cartes bleues tranquilles. Merci beaucoup, Marine. Gros bisous à toi, Smiley Bull. Merci énormément pour le soutien. Bonne soirée à toi, Quentin. Des bisous.
Qu'est-ce que tu demandes à ta mère, toi? Mais non, t'es pas fatiguée. T'as pas fini? Est-ce qu'après vous allez aider votre frère? C'est comme ça. Et lui, il s'occupe du jardin. C'est son jardin, donc faut que ce soit lui qui t'en occupe. Hein. Par contre, ça le détend absolument pas. T'as vu Camille, t'as encore un beau petit fessier. Ah là là. Eh ben voilà, Melba a réussi aussi à faire son projet. Oh, super. Oh, elles sont mignonnes. Allez, maintenant, c'est tout le monde va aider le petit frère. Tout le monde. Même maman. Tout le monde s'y colle. Vous voyez, c'est comme ça, c'est pyramidal. C'est... On commence par l'aîné, comme ça après on va aider les autres et puis ça va plus vite. Comme ça, le dernier, bon, bah, il est tout seul, mais après il y a 3 personnes qui viennent l'aider. Regardez-le, il est content, il fait « Ouais, maman et mes sœurs, elles viennent me voir !» Ça y est? Oh oui, mon biquet. Attends, je te débug parce que t'es bugué avec ton truc. Va manger un petit peu. Tu vas me faire un petit pipouze. Ah, il aura encore un peu de temps. Alors, niveau compétences. On est à 9 et 9 pour écriture et 9 tout pile pour le bien-être. Hein. C'est les deux compétences qu'on doit maxer à 10. Donc, bah, je pense que comme il est tendu, il va aller faire plutôt de bien-être. Il va aller se détendre la nouille. Il va aller méditer tout ça. Bah, maintenant, il est inspiré. Faudrait savoir ce que tu veux, hein. Ils sont mignons, ils ont fini le projet. Non, Léonie, demain, non. L'aîné est censé se débrouiller plus facilement. Ouais, oh, ça va. Moi, c'est une famille ou c'est pour une famille? Tabarnak. Attends, tu vas me faire à manger dans la nouvelle gazinière, toi, servir le dîner. Alors, ils ont déjà mangé du chili, des boulettes de viande à l'italienne. Oh! Rien que ça, ça me donne envie de manger des spaghetti bolognese. Bolognese. Ah, chez les mouscas. C'est difficile ta vie. Hein. Alors, est-ce que notre ami Chamalo va se mettre sa nouvelle tenue pour méditer? Croisons les doigts. Une tenue qui va plaire. Hein. Non, il l'a même pas mis. Mais vas-y, mais change-toi. Mais ta nouvelle... Oh, on en a mis deux. Allez, on va te mettre celle-là. Elle est plus sympa. Change. Voilà. Là, tu es beau. Alors là, vous pouvez admirer sur ce jeune homme. Un pantalon. Oui, parce que les hauts n'étaient pas assez beaux. Un pantalon plus des baskets du kit look rétro. Voilà. J'avoue, je serais juste de me rattraper de mon absence de ces derniers temps. Oh, mais c'est pas avec des sous que tu rattrapes. Hein. Mais c'est gentil quand même. Ah, merci beaucoup. Ah, les cassos descendent. Pendant que Chamalo médite. C'est ce que je devrais faire quand je les entends passer. Alors, si je ferme les yeux trop longtemps, je vais m'endormir. Et je devrais pas le faire. Vous voyez comme ces baskets sont très très belles. Hein. Ce pantalon, très bien porté également. Je devrais me mettre à la méditation, moi, parce que si on a des abdos comme ça, on devrait y aller plus facilement. Alors, t'as pas fini tes boulettes? Alors, tu vas faire la responsabilité. Elles sont déjà parties se coucher. Oh là là, Dahlia! Coucou la populace! Dahlia, rien ne va?
Ah non, la poussière est revenue. Oh, lapin est là. Lapin. Lapin. Coucou Paulinette, comment vas-tu? Attends, viens, il y a un lapin. Ce matin, un lapin a bouffé de la poussière. Vas-y, demande à Peluche. On dirait qu'il fait son... Il fait son nid. Il avait... Tu vas pas me dire qu'il va encore me ramener une carotte? Ah non, il a donné de la thune. 91 simflouzes. Waouh. C'est gentil. Merci beaucoup pour cet argent incroyable. Bon, bah tiens, viens faire la... Oh, il est minuit. Ah ouais, je vais peut-être les envoyer dormir, effectivement. Oh, mais regardez toute la poussière qui est déjà revenue. Quel enfer. Ah non, je me suis trompée de lit. Oh, j'ai deux filles, je les confonds déjà. Hop. Lui, il est déjà au lit. Ouais, mais toi, mon petit coco, tu vas aller aussi au pipi. Hein. Ah ouais, t'es pitre, tu veux nous faire marrer. Bah, pour l'instant, tu vas aller aux toilettes, surtout. Tandis que Chamallow médite. Méditerranée. Merci beaucoup, Tiff59, pour ton follow. Bienvenue à toi. Coucou la populace. Ça va bien, Pauline. Ça va bien, merci. D'ailleurs, je tiens à vous remercier tous les... Vous êtes peut-être pas tous écrits sur... évidemment, sur le post de l'onglet communauté, mais merci beaucoup pour votre soutien concernant Iowa, en tout cas. Pour le dernier post que j'ai mis. Merci beaucoup, tout le monde. Vous êtes adorables. Tous. Mais et j'ai vu des gens qui étaient honnêtes qui disaient ouais non ça a jamais été un je le regardais pas il m'a pas attiré comme challenge et tout donc je me suis dit bon c'est en même temps c'est un petit peu vexant et en même temps tu dis non mais je comprends en fait parce que voilà et le truc c'est que je me suis entêtée aussi à aller loin dedans mais bon. C'est pas grave il y aura d'autres choses qui arriveront qui changeront un petit peu tout ça et remo soldat. Aussi, il faudrait que je me détende parce que j'ai les épaules tendues. Alors, Melba. Melba, bon bah. Voilà, c'est bien. L'esprit de Fox est en train de disparaître. Tandis que, quoi? Tandis qu'Emelité, Chamallow Rainbow a trouvé une nouvelle façon de progresser en cuisine. Il améliore sa compétence cuisine. C'est possible, ça? En méditant? C'est incroyable. Alors, on va aller jusqu'à 20%, puis après il ira faire son petit pipi, tout ça. Il est quand même 2h du matin. Voilà. Voilà, il va se mettre. Il va se mettre au lit. Les pieds dans le tabouret. Oh oui, Chamallow, vas-y. Tu es beau, tout de rose vêtu. De rose vêtue. Allez, bonne nuit à toi. Et j'en profite déjà pour enregistrer. Ce serait dommage de perdre la partie là où on en est. Hein. On a quand même bien aspiré le parquet. Il sait faire plusieurs choses en même temps. Ben, en fait, je savais même pas qu'en méditant, il pouvait améliorer les compétences. Je savais pas du tout. Je veux une peluche comme ça. Les Sims, s'ils veulent gagner de l'argent, c'est du merchandising de ce style-là qu'ils devraient faire. Des peluches, des conneries à la con, là, comme ça. Une peluche plante vache, une peluche lapin de poussière, j'en sais rien, moi. Je suis sûre que ça marcherait, j'en suis sûre. C'est quoi la prochaine couleur? Alors, les enfants sont de la génération pêche, et après eux, ce sera la génération verte. Encore un mélange magnifique qu'il y aura dans la maison, évidemment. Des pop. Ouais, bah c'est... Ouais, mais ce serait bizarre en fait. De mettre Sonia Gothic en pop. Je peux être tenté, c'est un com, je suis d'accord avec les gens. Fais ce qui te plaît, que t'en sais que te plaît. Oui, non, mais c'est... Oui, vous aurez le bachelor. Vous aurez le bachelor, donc à voir si... Pour l'instant, je vais faire une petite pause dessus. Et après, on verra si on continue en live
jusqu'à temps de finir quand même le challenge, ou est-ce qu'on passe au bachelor avant? Je sais pas du tout. Moi non plus, je dois pas les faire méditer assez longtemps. Voilà, je pense que c'est à... J'avais déjà fait Lila qui méditait, hein, parce que elle, il lui fallait plusieurs compétences avec un niveau 10. Qui c'est qui est mort? Aurélie Denis, je connais pas. Apparemment, lui, il connaît. Donc, il va être triste. Super. Il ouais, y a que Lila que j'avais fait un peu pousser comme ça la méditation, mais pas. Elle n'avait pas atteint niveau 10, je crois. Après, elle n'a pas eu de chance, à peur de se faire sauter dessus avec le bachelor, du coup, il tente de passer à la suite. Ouais, c'est ça. Ça s'entendait les vidéos que tu t'ennuyais. Ah, mais je le disais en plus. Mais tu sais, entre le fait de le dire et de l'entendre que moi-même je le dise, tu vois, de comprendre et de dire, bon, bah, il faut que je fasse quelque chose. En fait, c'est quand je me suis rendu compte que les trois challenges que je faisais, ils étaient sur la chaîne depuis plus d'un an, tous. Et là, j'ai fait. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Les nouveaux qui arrivent maintenant, est-ce qu'ils ont vraiment envie de regarder déjà avec un an de retard tout ce qui s'est passé? Je suis pas sûre. Et c'est pour ça, après, je me dis, ben, s'il fallait que j'en annule un. Bah, ce serait celui-là parce que j'ai pas mis les boulettes au frais. Parce qu'en fait, il m'ennuie quoi. Je m'ennuie dessus, c'est difficile, c'est. Voilà, j'ai pas la foi quoi. C'est pas que je l'aime pas ce challenge, mais c'est juste que bah, il est plus difficile que j'aurais cru, donc. Voilà quoi. Il est triste tous. Allez, vends tout. Tu vas t'occuper du jardin avant. Et tu vas manger. Ça commence à 11h, donc je vais faire manger maintenant. Voilà, ils ont tous terminé leurs devoirs. Bravo les enfants, vous êtes tous intelligents. Je suis en train de me dire, Dahlia, elle va grandir ou pas? Ah, on a encore un peu de temps, on a 5 jours. Ça devrait. Donc ce sera pas maintenant, ce sera peut-être la semaine pro. Peut-être la semaine pro, la première ado de la. Oh, j'ai l'impression qu'ils sont nés il y a 2 jours, quoi, les enfants. Oui, je fais ce que je veux, mais bon. Tout ça pour un item qu'il n'arrive pas à récupérer. Ah, il n'y en a pas qu'un, hein. Il manquait 6 reliques. Il en manque 6 plus un calcaire. Donc ça fait beaucoup quand même. Et que ben, vu que c'est complètement aléatoire et que des fois j'en trouve même pas une seule en or, je peux dire que ça peut durer très longtemps. Ah non, il commence pas à 11h. Il commence déjà maintenant. Ah bah go à la maison, go au boulot, je veux dire. Ah oui, il a changé. Il a été promu, donc voilà quoi. Qu'est-ce qu'elle fait, elle? Comment vont Roger et Saucisse? Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait le ménage. Va t'occuper de. Qu'est-ce que tu fais? Oh, c'est pas grave. Tu feras le ménage après, hein. Passer l'aspirateur à la perfection. Allez, on va passer l'aspirateur, non? On a pris un aspirateur exprès. Pour admirer ce qu'ils font avec. Ouais, l'aspirateur qui passe dans le tas de déchets, mais le tas de déchets ne bouge pas. C'est marrant parce que le bruit que fait cet aspirateur, j'ai l'impression que c'est ma voisine qui le passe au-dessus de ma tête. C'est un vrai, vrai, vrai coup d'aspirateur, ça. C'est pas qu'il est difficile, c'est juste que t'as pas de chance. Ouais. Je suis restée bloquée sur le calcaire. Ouais. Mais en vrai, c'est plus les reliques qui manquent, en fait. J'ai quelques semaines de retard sur la. Je viens d'être spoilée, le calcaire n'est toujours pas trouvé. Ouais, bah ouais, mais bon. Il y a rien d'étonnant, en fait, quand tu vois comment je galère et que je suis déçue à chaque fois, à la limite, il n'y a rien d'étonnant, quoi. Bon, bah voilà, on a aspiré, hein, encore une fois. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Un autre! Un petit lapin! Vas-y, va le nourrir. Il lui demandait de trouver des peluches, des trucs. Et puis à l'autre aussi. Après, on les aspirera, c'est pas grave. S'ils peuvent nous ramener des cadals, on va pas dire non, hein. Après, s'ils nous servent à rien. Hein. Alors, nouveau défi! Chamallow a besoin d'un nouveau défi au travail. Comment le demande-t-il à son patron? Est-ce qu'on fait des suggestions ou on demande clairement un défi?
Oh la vache. Marine! Viens là que je te fouette les fesses. Non mais dis donc, merci beaucoup pour l'abonnement cadeau à la drôlesse. Gros bisous à toi. Merci beaucoup, Ismaël et Boule. Mais arrête, ça suffit maintenant. Tu ranges ta carte bleue. Ou je te sors l'aspirateur et je t'aspire avec. J'ai cette aventure avec iOS, c'était mon petit moment du vendredi. Merci à la page à laquelle d'ailleurs je vous réserve des petites photos. Ah, tout le monde le voulait, tout le monde rêve. D'ailleurs, le pauvre Iowa, il a des millions de vies. Le mec, il a fait des enfants à toute la planète. De France. Parce qu'il n'est pas trop sorti de territoire français, voire francophone. Mais il a fait plein d'enfants, il a eu des millions de vies déjà. Heureusement qu'il est millionnaire, hein, parce que... Il faut les nourrir tous les gosses qu'il aura eu. Pour un club de maman, qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Si en Belgique, oui, c'est pour ça que je suis restée. Avant de dire France, j'ai dit oui, plutôt francophone alors, c'est vrai. Mais non, c'est. C'est écrit que je gagne le bachelor, je l'aiderai à trouver ses reliques. Mais oui, bien sûr! On verra pour le bachelor. De toute façon, il faudra qu'on en discute ensemble, savoir comment on fera le bachelor. Enfin, les règles du bachelor, quoi. Tout simplement. Donc, n'hésitez pas à voter dans le sondage que Martial a fait pour répondre à la petite question. Un nouveau défi, est-ce qu'on fait des suggestions ou est-ce que demande clairement un défi? Pour l'instant, c'est demander clairement un défi qui gagne à 15 voix d'avance. Donc, c'est maintenant ou jamais. Il vous reste quelques secondes pour vous exprimer. Donc si vous êtes... voilà, y a, demander clairement, c'est vraiment demander clairement qui gagne. Ça, c'est... Il n'y a pas de... Voilà. J'avoue, ouais, ne s'est pas encore reproduit en Angleterre. Un jour peut-être. Ah! Il n'a pas encore conquis le territoire anglais. Anglish. Bon allez, c'est demander clairement un défi qui a gagné. Donc c'est parti. Pendant ce temps-là... Elle... Ah! Attendez. Gain de performance petit, en farfouillant dans les tas de peluches, un fruit ou un légume misé, ouais bah super. Ils nous ont encore trouvé un... Ah si, c'est une poire. Oh, il lui a donné un petit cadeau. Une carotte. Qu'est-ce qu'ils ont avec les fruits, là, les légumes, les... Allez, viens passer l'aspirateur, tiens. Allez, au revoir les petits lapins. J'ai envie de dire les moutons, mais... C'est des lapins aux États-Unis, donc... Et c'est re-l'heure de la pub! Bah dis donc. Donc c'est re-l'heure de la pub de 30 secondes. Évidemment, si vous avez une petite pub sur votre écran, n'hésitez pas à nous le partager. Et vous contribuez à mon énorme richesse. Merci beaucoup. À tout à l'heure. Hop là. Elles prétendent faire un tricot ensemble, mais au final, c'est la grosse teuf et elles engagent à Iowa comme stripteaseur. Mais quoi? Mais non! Salut Nana Moscov, comment vas-tu? Adieu lapin. Ouais, rien. Bah, le pire, c'est dans ma vidéo, quand je l'ai fait aspirer directement dessus, ça m'a vraiment... C'était horrible. Je veux plus, hein. Je veux plus les aspirer comme ça. C'est clairement dégueulasse. Je préfère qu'elles passent loin l'aspirateur et qu'ils disparaissent comme ça par magie. Voilà, comme là, c'est très bien. Que directement l'aspirer, que le machin... Il... Ah non, ça m'a fait mal au cœur. Ça m'a fait mal au cœur. Pauvre petit lapin-pin. Oh là là, mon Dieu! Joue avec. Il donne une friandise, il va pas bien, Roger. Roger n'est pas en forme. Oh, mon petit biquet. Mon petit hamster. Oh, Roro. Ah, on est d'accord, Banera. C'était affreux. Oh non. À la limite, si ça devient des lapins maudits, tu vois, bon. Mais... Sinon, non. On va les laisser comme ça, bien gentils, bien mignons. Bah, je crois qu'elle kiffe passer l'aspirateur, donc si tous les jours il faut y aller... Elle veut pas s'habiller au traîner traîner en slip. T'inquiète, regarde, elle va à la douche exprès, même si elle est pas très sale, c'est pour ça que je l'amène à la douche. C'est pour qu'elle puisse se rhabiller. Ah mais chez moi, j'ai des sites... Tu les vois passer leur vie soit en nuisette, soit en maillot de bain.
Ils aiment bien ça. Je pourrais pas te dire pourquoi. C'est leur kiff. C'est leur kiff. Ils aiment ça. Pendant ce temps-là, ils se morfont. Alors, on doit quand même publier encore 3 livres et faire 2 livres excellents. Faut pas perdre de vue notre petit Cham-Cham. Parce que là, on rigole avec les lapins, les aspirateurs, mais... Nous, ce qu'on veut, hein, c'est Cham-Cham. Hein. Bon. Je la laisse faire ce qu'elle veut. Quelle heure est finie, à 17h? De toute façon, les enfants vont revenir de l'école avant. Non, mais même dehors, elle parle à sa aspirateur, mais elle est folle. Ah, ils sont retour de l'école, les enfants. Oulala, oulala. Alors, tu vas me prendre des restes et regarder la téloche, la téloche. Toi, tu vas me prendre une douche. Et toi, bah, tu vas aller là-haut pour faire pipi. Oh non, mais c'est repoussiéreux ici. Mais on vient de me passer l'aspiro. C'est une foutue blague. Le truc, ça n'arrête jamais, quoi. La poussière... Écoutez, vénère, mon petit Toya. T'es pas content. Elle se prend une petite... voilà. Après, tu mangeras des restes et tu viendras... Regardez, la chaîne actuelle. Oh, mais regardez-moi ça. Il y a déjà un lapin qui est revenu. On a tout aspiré, il y a 2 minutes. On n'est pas sorti de l'auberge. Ça m'a pensé à SOS Fantôme quand ils aspiraient un fantôme. C'est lui, tu sentais la détresse de la peluche de poussière. Oh! Ah, on peut améliorer, tu penses, aspirateur? Ah oui, j'ai même pas fait attention. Installer le sac sans fond. Installer des rotors en titane. Installer une batterie auto-rechargeable. Ok. Et laver. Installer un laser vaporisateur. Ah ouais, quand même. Tranquille. Et toi, tu peux le faire? Non, il a pas les compétences. Si tu veux, tu viendras consulter le niveau de poussière et passer l'aspirateur. Allez. Alors, mon petit bichet. Tu vas aller manger également. Voilà, prendre des restes et regarder. Putain, par contre, ils ont tous un niveau assez déplorable au niveau divertissement. On n'oublie pas que notre petit. Voilà, mon chouchou. 392$. Pas grand chose, hein. Moi, toi aussi, tu vas rentrer, tu vas manger. Est-ce que t'as fini ton bouquin, d'ailleurs? Je sais même plus. Non, t'as même pas fini l'enfant du congélo. Eh ben, ce soir, c'est à ça que tu t'attelles, hein. Allez, on travaille un petit peu. Ah non, les boulettes sont pourries. Bon, tant pis, hein. Chérie, tu fais de la bouffe, c'est dégueulasse, hein. Tain, tous les gamins, ils ont réussi à bouffer que c'était clean et lui, c'est pourri. Le pauvre. Coucou Justine, comment vas-tu? Gros coup, ce marin qui est là depuis le début. Bah alors, coquine, pourquoi tu parles pas? C'est normal, vous avez le droit. Coucou Elisa! Ah mince, pas de soucis Elisa, attends, tu rigoles. T'as le droit de t'occuper de ta sœur, hein, c'est logique. Hein. Bon, bah il est pas bien parce qu'il a bouffé un truc pourri. Oh, tu t'es déjà occupé de ton jardin? Là, tu peux faire évoluer. Récré solitaire, s'en fout. Joue toute seule. Ok. Bah, c'est lui qui fait le ménage. Très bien. C'était pas à toi de faire le ménage? T'as aspiré là-haut? Ouais. Ah ouais, elle a déjà aspiré et tout. Elle kiffe, hein. Elle kiffe l'aspirateur, la duchesse. Tu veux aller vomir? Non, il peut pas aller vomir. Si, tu peux aller vomir. Va vomir. Va vomir, c'est bon. Va vomir. Tu seras débarrassée.
Qu'est-ce qu'il a Tu vas mieux? Ouais, ah, il va beaucoup mieux. Et hop, tu reprends l'écriture. L'enfant du congélo, c'est parti. C'est pas grave, ta femme, elle ira nettoyer. Astiquée à la perfection! C'est vraiment Monica Geller, quoi, l'aspiration. Laisse tomber. Allô! Enfin. Ça vaut bien, Juju, ça vaut bien, Juju. Du coup, toi, tu t'éclates avec... avec Saucisse? Comme par hasard, hein, Saucisse. Va checker un peu Roger, c'est lui qui a besoin de... qu'on s'occupe de lui. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Sale gosse. Tant ta mère va venir t'engueuler, tu vas voir. Discipliné, sévère, mi-bazar. Par contre, on va aussi encourager le comportement, arranger le bazar. C'est bien. Ça y est, mon titi s'est réveillé. Il y a des risques qui viennent squatter le bureau. Hein. Il l'a fait plusieurs fois aujourd'hui. Oh, le loulou! Ah là là! Pardon. Disons que ça me stresse légèrement les trucs d'être parent quand ils demandent des conseils. C'est un peu chiant des fois. T'as déjà fait tes devoirs, toi? Ah bah non, même pas le temps de lui demander. Ouais, tu peux aider ta fille à faire les devoirs. Allez, go. J'essaie de les gérer hein, tant que je peux, tant que j'y arrive. Lui, il est content, son sol, il est nickel. Environnement étincelant. Allez, travaille, mon petit. J'ai eu peur, j'ai dit, ouais, on n'est pas au niveau 10. Eh, on va être à équivalence encore. Niveau bien-être et écriture à 9 et 20%. Je comprends, Elisa, t'inquiète pas. Si t'as besoin sur Discord, je pense qu'il y aura des belles âmes et des belles oreilles pour t'écouter. Iru Marinette, pouet pouet. Donc pour l'instant, on dépasse en écriture. On va arriver à 9 et un quart. Ah, il a terminé son bouquin. Oh, trop cool. Merci beaucoup, Angel83, pour ton follow. D'ailleurs, vous avez remarqué, Wisebot est redevenu bleu. Je sais pas à quel moment, mais il est redevenu bleu. Donc c'est qu'ils ont dû régler le souci. Bref. J'ai pas regardé si c'était un livre excellent ou pas. Un best-seller. C'était un truc pour enfants. Désolé, je suis fatiguée aujourd'hui, ambiance. De caca ce matin au taf, alors je vais un peu faire le soum-soum ce soir à Jean 21, boule. Pas de soucis, je compatis. Salut Tinouille, comment vas-tu? Coucou Anne, comment ça va? Vous avez le droit, hein. J'ai le titi qui est allongé sur le truc et il a... Oh, j'ai chaud, moi. Hein? Petit chaton, là. Je sais que vous avez envie de le voir. Donc là, il se divertit un peu. On en est sur son aspiration à 8 livres sur 10 et 5 livres excellents sur 4. En gros, là, si on arrive à bien gérer, il nous reste 3 livres à faire. Enfin, même 2. On a juste 2 livres à faire pour finir son aspiration. Qui c'est qui fait de la... Oh, papa, il va gueuler. Papa, il va gueuler. Papa, il va gueuler. Papa. Papa, il va gueuler, j'ai dit. Tu me nettoies ça. Alors, il va refaire un petit livre. Est-ce que vous avez une idée de titre pour un livre roman policier? C'est à vous dans le chat de proposer vos titres. Bien sûr, des trucs rigolos. Avec du rose, peut-être, si vous le voulez. Ça va bien, Tinou, ça va bien. Harry Potter, c'était un livre pour enfants de base aussi, et c'était un best-seller. Bah, ouais. Ça m'étonne pas, parce que c'est toujours un truc pour enfants. En tout cas, moi, les films, je trouve que c'est fait pour enfants. Donc,
Moi, j'ai pas accroché. Alors, Pompon Cucu, c'est ça ton titre? Dégaine le rose. Ah, je crois qu'on a déjà fait la vie en rose. Je vais prendre Dégaine le rose. Allez, pourquoi pas. Bah oui, parce que policier. Eh, j'avais pas fait le rapprochement, Anne, bravo. Un bisou sur le petit cul. Roman policier. Un peu bizarre, ça titille, hein. Ah, mon bébé. Oh oui. Petit cœur. Bah oui, je réfléchis, moi. Non, mais tu sais, sur le coup, j'avais pas... Bien joué, bien joué. Alors, lui, il va jouer aussi. Elle. Bah, il est 23h, c'est bien. Elles sont au lit, toutes les deux. Ok, elle fait quoi? Bah, elle, elle aime bien... Alors, c'est l'aspirateur et les hamsters. Hein. Les hamsters et les pirateurs. Les hamsters pirateurs. Ça, le kiff. Oh, le câlin! C'est trop chou. Au niveau 9 de l'éducation. L'éducation, c'est franchement une compétence qu'on peut monter hyper facilement sans forcer. Je trouve. C'est pas un truc trop compliqué à monter, en vrai. Alors, avec Lila, j'avais forcé parce que je voulais aller vite. Mais c'était pas forcément quelque chose de compliqué. C'est pas dit que c'est pas un stripteaseur, le policier. Hein? Et il s'appelle, dans la vraie vie, il s'appelle Iowa, non? Tu vous verriez tirer, il est trop chou. Alors, t'en es où? Ça va beaucoup plus vite l'écriture quand même. 35%. Ah bah il est devenu triste. Allez, si tu montes à 40, avec du mal, tu vas monter à 40, mais on va te faire à 40%. Oui. Oui, je sais. Ah bah, il a terminé son livre avant. C'est merveilleux. Comment il est ton livre? Il est excellent. Oh, tu es trop fort. Vas-y, tu vas me le poster. Ouais, vedette débutante. Et il nous reste juste un livre à faire. Logiquement. Ah non, on est toujours... On n'est pas encore sur la fin de l'aspiration, excusez-moi. Bon, un livre à faire pour finir cette étape. On y va progressivement. Hein. Je suis désolée, je pensais qu'on était à la fin de l'aspiration. Mais non, tu vas aller pleurer d'ailleurs avant. Pour dégainer tes pleurs. Iowa est grand-père d'un ado comme son fils, il lui ressemble comme deux gouttes d'eau. Eh bé. Je dis, Iowa, il a 10 000 vies déjà. Cette semaine, j'ai vu The Monster de Cynthia. Ah, je connais pas du tout. La déception. Oh, je suis désolée. I am very sorry. D'ailleurs, j'en profite pour qu'il... Qu'est-ce que tu fais, toi? Tu n'étais pas censé dormir. Va dormir. Qu'est-ce que t'as fait? Pourquoi tu vas... Il y a quelque chose qui est cassé? Oh, mon Dieu! Il y a saucisse qui est sale. Pour enregistrer, c'est ça que je voulais dire. Je voulais mettre en profiter parce qu'il dormait pour enregistrer. Comme ça, j'enregistre. Ça nous est déjà arrivé d'avoir un bug, hein, et de tout perdre une partie. Et pas qu'une seule fois. Et pas que sur le Note Soberry. C'est reparti. On fait un gros dodo. Ah, 14h30, l'apparition de la poussière. Avec mon petit lapin. Oui, mon petit lapin. T'es beau, mon petit lapin. Titi, regarde les petits lapins. Imaginez ça dans la vraie vie. Les chats, ils seraient fous. Les chats, ils seraient dingues. Ouh! Son petit cul, là. Petit cul de lapin. Attendez, on va aller voir son petit cul de lapin. Il remue des fessiers. Caméra Sims 4. J'arrive pas à gérer la Sims 3 dans les Sims 4. Mais ça va. Dans les Sims 3, j'y arrive à peu près. Dans le chat, on a tous des petits culs, c'est grave cool. Que presque tout le monde est sub, ouais. C'est ça qui fait peur aussi, quand même. Oh, tout trop chouchou. Moi, j'en veux un.
Ouais, la Sims 3 me sert surtout en construction. Ouais. Parce que comme ça, je peux tourner les objets comme j'en ai envie. Ah, les filles, elles se sont levées au même moment, quoi. Alors, on est mercredi. Toi, tu vas aller prendre ta douche. Toi, bah, tu vas pisser, mais en bas. Parce que on n'a que deux salles de bain. On a Saucisse et Roger qui sont crado. Toi, bah, tu vas les nettoyer. Alors, tu vas nettoyer et mettre de la nourriture à Roger. La responsabilité, ça. Les enfants, ils apprennent la responsabilité comme ça. Ouais, c'est bien ça. En même temps, ça pouvait pas être trop autre chose, mais... Voilà. Et un petit peu de bouffe pour l'autre. Perfect. Voilà, maintenant il est trait de caractère responsable. C'est incroyablement merveilleux tout ça. Et t'iras faire ton petit pipouze. Elle va manger je sais pas quoi, de la compote. Pote de pomme. Ah oui, bah du coup lui il peut plus y aller. Si c'est bon, tu vas y arriver. Vas-y Toya, tu peux le faire. Oui, il arrive. Incroyable, il a réussi à ouvrir le frigo. Ah, ma papa, tu veux manger quoi? Non, tu fais pas de... Non, bah non, alors là quand même. Pas de glace, pas... Mais non, Cham-Cham, pas après tout ce que t'as fait. Pas maintenant. Ils se sont levés tôt les gosses. 6h du mat. J'ai des frissons. Un peu de ouate, un tissu gris, des boutons, et tu le refais, madame la couturière. C'est vrai, en plus, j'en ai. J'ai de la bourre. J'en ai. Du tissu gris. J'ai du gris foncé. J'ai commencé à 19h, Anne, en vrai. On a papoté rapidement, j'ai relooké les deux enfants, Melba et Toya. Et puis on a commencé. Après, on a fait la cuisine, on a mis l'aspi, et puis voilà. On a commencé. Bon, ça y est, ils sont re-obsédés avec, avec la glace. Arrête, Tétion! Alors! Va manger un coup, tiens, ça va te faire du bien, par où ça passe. Bon, il commence à quelle heure déjà? J'ai déjà oublié. À 9h. Oui, donc le temps qu'il mange, il n'aura pas le temps de travailler. Peut-être qu'il aura le temps de gérer ses plantes. Tout vendre, clac. Au moins, ça c'est fait. Regardez-moi nos petits-enfants qui vont à l'école. Par l'ordre d'arrivée, Dahlia, Melba... Et Toya, en plus, ils sont tous marins. Ah. On n'a pas fait exprès. Bah, meuf, elle a fait de la glace, mais elle veut pas la manger. Oh, moi, perso, j'en veux pas. Hein. Prends une coupe. C'est quoi? Yaourt pêche. Oh, bah, pêche! Et la meuf, elle prend quand même les céréales. Elle m'énerve. Oulala, chamallow! Oh, il fait chaud dehors. Pack dehors. Hein. Beau gosse. Après, tu en fais plein et tu nous les vends. Moi, j'achète. Alors, je ferai en petit. Hein. Je sais pas, faudrait que je vois. En vrai. Son tissu gris, j'en ai pas, je crois. I don't think I have. But... Ok. Ouais, il commence en 10 minutes. Qu'est-ce qu'il pourrait faire pour pas pleurer là? Rapidement. Ah, pas ça. Se donner des paroles d'encouragement, vas-y. Encore un, avant d'aller bosser. Encore un autre, allez, encore un autre. Ah, il travaille pas aujourd'hui!
c'est trop cool! Ah, on va pouvoir avancer sur son aspiration et sur ses compétences. Ouais, ouais, ouais. Bon, il se débarrasse de son deuil. Ah, vanité exacerbée. Oh non, c'est chiant, ça. Ça m'énerve. Ça m'énerve quand ils font ça. Ça, ça me saoule aussi, ça. Trop d'enfants. Trop d'enfants, trop de notifs. C'est bon? T'es plus triste? Rapport de droit d'auteur. Allez, il faut que tu fasses... Allez. T'es encore triste, c'est pas grave. On va écrire un livre triste, si ça vous dérange pas. Est-ce que vous avez un titre pour le livre triste? C'est maintenant dans le chat. L'amour à sa femme. Quoi? Alors. Un livre triste. Life is life. Na. L'amour, c'est du caca. Oh là là. Oh, mamie, j'aime beaucoup le blues des roses. J'aime bien. Allez, ce sera ça. Go. J'aime beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'elle veut? Qui c'est qui est mort? Non, c'est les enfants. Contrôle des émotions. Allez. Oh, il sera plus responsable, c'est pas grave. Va faire tes occupations, toi. Nous embête pas. Pourquoi il y a un lapin? Ah, parce que c'est en distraction, elle veut nourrir le lapin. Très bien. Le petit lapin, pain, il est trop chouchou. Et comment ça va, chamallow? Oh, mais regarde, t'auras une toilette à nettoyer. Oh, génial. Nettoyer légèrement. Astique à la perfection. Qu'est-ce que c'est? Mais tu te calmes, wesh, Mark Simpson, là. Faut le camp de chez moi. Dégage. Mais qu'est-ce que c'est? Ça va pas bien, là. L'esprit de Sunset. Il a déjà fini son livre? Il est best-seller en plus. Oh là 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 là. Allez, viens finir. Viens finir ton aspiration, là, ton étape. Oui! Ça, c'est bon, ça. Là, on avance. Alors, atteindre le niveau 10 en compétences, écriture, terminer 3 best-sellers, avoir gagné 25 000. C'est bien, il nous a tout compté. On n'a pas à recommencer de zéro. On est déjà à 23 036 Simflouz. Oh ouais, bah, pff, ça va. Ouais, allez, vas-y. On a fini l'aspiration, quoi. Aujourd'hui, on finit l'aspiration. Oh, il y a encore un lapin qui est arrivé, là. Est-ce que vous avez des titres pour un livre de genre de motivation, de confiance? Je vous écoute. J'ai oublié de vous dire, j'ai testé le mode Wicked Wims. Oh, mon Dieu. Ah non, moi, je peux pas, moi. Ça, non, non. Ça, je le ferai pas. Ça, je le ferai pas. J'ai pas essayé ce mode, j'ai vu des images, c'est vraiment hard. Ah ouais, non, moi j'ai pas envie, hein. Ça me... Je trouve ça chelou, limite un peu malsain, non. Je veux dire, non, voilà, je n'irai pas sur ce sujet, mais voilà. Je crois que je me suis déjà exprimée là, sur ce truc. Comment se retirer une épine du pied? Ouais. Avec une pince à épiler? Allez. Roger vous guide dans la méditation. Oh mince! Bon allez, j'ai pris Martial en premier. Il fallait être plus rapide, les enfants. Mais je sais, il faut que vous soyez un peu à réfléchir. Allez, mon petit! On va le faire, là. On fait le niveau 10 aujourd'hui, là. Il travaille pas. Il va bosser, hein. Moi, je vous le dis. Hein. On est à 9 et 51%, 9,5% de la compétence écriture. Qu'est-ce qu'elle fait, elle? Elle danse dans la poussière, folle dingue. Tu pues? Bah écoute. Oh, j'aime. Sont trop mignons, les petits lapins. Pfff.
Marina vient de recevoir une pièce d'amélioration très pratique de sa part de sa peluche en poussière fouineuse. Mais c'est merveilleux, ça. Ah, si tu pues, tu vas te prendre une douche. T'avais demandé de te laver, en fait. Mais t'as pas l'air de comprendre. Qui c'est qui va pas bien chez Roger et Saucisse? Ah, c'est Saucisse. Saucisse n'a pas la frite. Ces petits cris. Mais oui, mais c'est trop chouchou! En vrai, ils sont trop mignons, les lapins. T'as pas envie de les bouffer, quoi. Enfin, de les aspirer. Ils sont trop cute. Il bouge les petites oreilles. Oh oui! Oh, les petites oreilles. Cyrillon, il est pas là. En plus, il tape des bons. La prochaine fois que je verrai un mouton ou un petit lapin de poussière qui tape des bons, je penserai au Sims. Talia a rencontré Léa. Alexandre. Ils rencontrent tous des amis. Oui. Il a encore terminé un bouquin. Mec. Oh, prends un ticket de loterie. J'avoue. Alors, écrire un livre de genre motivation. Alors, je vais prendre le titre... Roger vous guide dans la méditation de Vivi Titi. Comme ça, c'est fait. Ah, les enfants sont déjà rentrés. Ça va trop vite. Ça va trop vite. Ah, mais tu... Alors, on va y arriver. Clac. Je vais juste mettre un R majuscule. Et ça, vas-y, c'est pas grave, on remplace. C'est pas comme si. Tiens, tu vas le nourrir. Et hop. Allez, mon petit piquet. Non, on s'en fout de ta fille. Tu travailles. On a une aspiration et une génération infinie à mon petit. Je vais dire plus le cote. Pas du tout. C'est chamallow. Alors, dénicher de la nourriture particulièrement délicieuse. Peu importe d'où elle vient, cette offrande est une preuve de son affection. Qu'est-ce que t'as récupéré, toi? Une salade caprese. Ouais. Faut avoir envie, hein, parce que franchement, si ça sort de dessous le cul, bon tiens, bah, chamallow, tu vas le manger. Et c'est là qui est marqué arrière-goût poussiéreux. Oh, il faut un miroir. En même temps, il est beau gosse, normal qu'il s'apprécie à sa juste valeur. Racontez une histoire incroyable. J'ai hâte de voir les enfants grandir en ado quand même. Alors, et si vous avez une idée pour la prochaine compétition entre les trois, s'ils sont tous les trois éligibles, hein, bien sûr. S'ils sont trop moches, ils ne participeront pas. Pour savoir comment on départage le futur héritier. N'hésitez pas. Ouais, peut-être que je vous dise quelles seront les... J'ai pas appris les règles. Quelles seront les règles et tout ça du autre Sobéry pour la génération pêche. Parce que d'habitude, on se calque un peu à ça. Il est en train de chanter. Allô, pêche. Aspiration, as des blagues. Trait de caractère gourmand, paresseux et pitre. Super. Carrière détective. Ok, 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 ok. Donc, bon. Maximum de la cuisine gastronomique et comédie. Maximum carrière détective. Jouer d'un instrument. En gros, c'est ça. En gros, c'est ça. Donc, je sais pas trop sur quoi on pourrait faire, à part un spectacle. Faire des blagues dans un bar et voir qui récolte le plus de sinflouz. Ou je sais pas s'il y a des. Dans le calendrier, des fois, il y a ça. Ouais, voilà, foire au talent. Mais en vrai, je sais pas comment ça fonctionne. Donc, faudrait tester.
Est-ce que après tu vas faire du Legacy? Normalement oui, je suis pas trop fatiguée. Coucou Louise, comment vas-tu? Team Melba, mais tu sais même pas à quoi elle ressemblera. Oh, tu te calmes, Chamallow, là, on dirait que... Non, je suis pas avec le bon Sims. Non, Sakura, on n'a pas le temps. Eh, Sakura, elle était enceinte la dernière fois. Tu vas reprendre l'écriture de ton livre. C'est bien, il y en a, ils font leur devoir sans qu'on leur demande. C'est incroyable. Dahlia, elle est sérieuse comme fille. Oh, bah, Lutoya aussi, il a fait ses devoirs. Il y a que Melba qui fout rien. Ah, juste pour son prénom. Ah, Tundra essaie de communiquer avec nous, ou alors c'est un de ses chevaux, ses chevals, bref, un de ses équidés. Moi je connais C3PO, je sais pas quoi, mais 51PS6, je le connais pas ce truc là, ce robot là. Ah, Autumn est en train de disparaître. Tu peux aider ta fille, peut-être qu'elle est, un peu bête pour faire ses devoirs toute seule. On sait pas. Allez, Chamallow, on y va. R2D2, oui c'est ça, R2D2, je savais plus. C'est 3PO, je sais plus comment il s'appelle l'autre là. Parce que comme elle a mis un P, c'est pour ça que je voulais référence à celui-là. Devoir terminé. Ouais, trop bien. D'ailleurs, elle a passé l'aspi. Non, elle a pas passé l'aspi, vu que lui, il est encore là. Vas-y, tu peux... Là-haut aussi. Là-haut, il y en a... Il y en a qu'un. Et tu vas lui donner de la poussière et tu vas lui demander un cadal aussi. En plus, il nous donne de la thune comme ça, les poussières. Trop bien. Peluche. Par contre, lui, ça va, il a pas mangé de la merde. Il est content. Il n'y avait pas, de poussière dans son plat. Bring a puzzle on. Toi aussi, tu vas prendre un ticket. Il a terminé son livre. Mais c'est merveilleux, mon petit. Tu es le plus fort des petits. Écrire un livre de genre fantasy. N'hésitez pas dans le chat. Également. 3 best-sellers. On en est à combien? C'est un excellent. C'est pas un best-seller. Et ça, Roger, c'est un best-seller, hein, par contre. Or, best-seller vous guide dans la régitation. C'est un best-seller. Sachez-le. Alors. Des bisous, mon soldat! Des bisous, bon courage! Bon courage et grosse merde! Dommage, elle a pas vu le karaoké. BB-8. Ah oui, c'est ça. C3PO, c'est ça? C'est C3PO? Ouais. J'étais plus sûre. Mon lapin est moins réunion sur la poussière. Le lapin. Allez, allez, parce qu'aujourd'hui. Ça fait deux fois que je prends ton titre, hein, Vili Titi. Parce que aujourd'hui c'est tout de la poussière. Voilà, on teste un peu la poussière. Donc, à peut-être demander des objets de valeur, mais parfois c'est qu'une peluche de poussière considérée comme un trésor est en fait un simple déchet. De toute évidence, il y a aussi un problème de communication. Essayez de parler dans une langue que votre peluche de poussière pourrait mieux comprendre. La nourrir avec un encas de poussière serait peut-être un bon début. Bah, elle l'a fait. Oh, oh bah, au revoir, petit lapin. Tu vas te faire niquer la tronche parce que là, elle a pas le temps, Marina. Elle aspire tout. Hein. Oh, au revoir, petit lapin. Et voilà, il a disparu. Et des bisous, Céline. Merci d'avoir été là. Bon courage à toi, bonne nuit et bon courage pour demain matin. Ce qui est bien, c'est que ça nettoie tout l'étage. On n'a pas besoin de faire cet aspirateur dans chaque pièce. Parce que ça aurait été un vrai truc relou aussi. Et non, donc c'est cool. J'ai envie de dire que c'est super cool. Si tu n'as mis un lapin de poussière, il reste même quand le Sims passe l'aspi. Ouais, bah, il faudrait que je teste.
Mais comme là, elle le passe toute seule, on n'a pas le temps de devenir amis. La coquine. Ah oh là là, on est à 9,70. Merci beaucoup, Lost in the Sky with Diamonds. Oui, j'ai rajouté. Et merci beaucoup pour ton follow et bienvenue à toi. Il manque 8 follow et on est à 2200 déjà. La vache. N'hésitez pas, hein. C'est gratuit, ça fait plaisir. Et vous pourrez retrouver les aventures de Chamallow et de ses enfants. Eh bien, tous les mercredis. Voilà. Je joue en même temps, d'accord. Eh bien, merci à toi, Lostra. C'est gentil. Ouais, t'as pas le temps de discuter. Travaille. Ah, et toi, tu pourrais faire la cuisine. Ah, et encore un petit lapin qui vient d'arriver, là. Quick, quick. Coucou, petit lapin. Mais elle vient d'as... Ah non, c'est ce... Ah oui, c'est celui même que tout à l'heure, ça. Oh, tu peux caresser après. Trop mignon. Et toi, tu peux caresser. Oh, mais oui, la petite aussi. Vas-y, c'est toi qui vas le caresser. Maman, elle est occupée, elle va faire la vaisselle, le manger. Vas-y, caresse le petit lapin de poussière. Ah, Toya a décidé de se mettre au sport. Pourquoi tu veux pas? Ah, tu veux... Son niveau de bonheur a baissé, c'est pour ça. Bikent, donne-lui de la poussière à manger, là. Fais de la poussière. Moi, j'en veux une, maintenant. Salut, Seven, comment vas-tu? Merci pour le note Soberry, j'ai commencé le challenge. Ah! Bah écoute, mais je sais pas pourquoi, mais merci beaucoup. Et salut Coralie, merci beaucoup pour ton resub. Gros bisous à toi, Smiley et Boule, merci beaucoup pour le soutien. En tout cas, j'espère que tu t'éclates sur notre Soberry, parce que moi, je trouve que c'est une aventure très sympa. Tiens, caresse-le. Oh là. Oula, oula, Chamallow va plus du bien du tout, là. Oh, on va faire un câlin au lapin. Lapin. Attendez, on n'a pas encore fait de miniature. Hein. On n'est pas encore à la génération pêche, mais c'est pas grave. Ouais, c'est un peu bizarre quand même. Hein. Alors déjà, faire des câlins au sac d'ordures, j'étais pas forcément en joie à cette idée, mais là, à de les poussières, c'est pas mieux. Hein. C'est même peut-être un peu plus crade, je sais pas en fait. Parce qu'on se dit quand même, le sac poubelle, il y a quand même le sac. On n'est pas directement sur les ordures, alors que là, directement les ordures, quoi. Bah, tu peux aller te coucher, hein, Biquette. Lui aussi. Elle est au dodo. Non, elle fait une sieste. Saleté. Va dormir. Qui c'est qui a cassé les toilettes? Bah, toi, tu peux aller aux toilettes. Attends, mais toi, t'avais fait à bouffer. Attendez, ouais, lui, il est... C'est le bordel. Hop, on va mettre ça là. Cham Cham, tu vas monter. Tu vas aller dormir. Direct. Un beau gosse. Ouais, voilà, il est un peu fatigué. Oh, c'est dommage, demain il bosse. Après, je pourrais lui faire prendre un jour de congé. Hein. Qu'est-ce que tu fais, Melba, dodo, j'ai dit. Oh, ça y est, elle est malade. Ils ont de la chance, ces gosses, d'avoir des énormes chambres pour eux tout seuls. La poussière bouge. Oui, c'est des petits lapins. Regarde, c'est des petits lapins de poussière. Ils sont trop chouchous. C'est des petits lapins. Ils sont trop mignons, les petits lapins. C'est en regardant ta chaîne YouTube que je l'ai débuté. Ah, bah, ça me fait plaisir, alors. Si j'ai pu vous influencer dans le bon sens. Ouais, c'est sympa. Hein. Tu peux lui donner un... Oui, on peut lui donner un nom. Ouais. Mais bon, c'est si forcément l'hôtel l'aspire tous les 4 matins, ça sert à rien de les nommer. Moi, je vais adopter un petit lapin de poussière. Regardez-moi ça. Oh, il y a une rave party chez Saucisse.
Du coup, on s'est complètement délaissé des... C'est pas vrai, il y a rien dedans. Moi, je vois pas. Eh, c'est le Covid, hein, saucisse. Hein. Faudrait pas que... Voilà, saucisse, il nous fait une Covid party. Merci beaucoup, Zoé, pour ton follow. Bienvenue à toi. Des bisous, Paulinette. Bonne nuit. Bonne soirée. Donne-lui un nom. Aspire-le, donne-lui un nom. Aspirateur. Mais non. Rêve de rongeur. N'importe quoi. Attends, les deux, ils m'ont fait une rêve ? Merguez. Ah non, c'est... Eh, je dis saucisse depuis le début du live, mais saucisse, c'était son prédécesseur. C'est Merguez, en fait. J'ai complètement oublié qu'il s'appelait Merguez, l'autre. Oupsie. Il y a personne, hein, il y a personne du chat qui a capté que je m'étais trompée de d'Amster. Que Merguez, saucisse était mourou depuis un moment. Ah, mais les deux, ils font encore une explosion. Regardez. Il y a une explosion chez les deux en même temps. Ils sont connectés hein, ce soir, Roger et Merguez. Ils nous font des rêves et ils nous font des explosions d'éclairs en même temps. Il s'est dit fou dingue. Alors simultané, hein. Merguez et saucisse, c'est pareil. Ah bah il y en a un qui pique moins que l'autre. Hein. Forcément. Ah. Alors, toi, t'es debout. Tu peux aller manger tout de suite. Prendre des restes. Toi. Elle est morte de rire. Tu vas aller me faire un petit pipouze. Je vous cache pas que j'ai moi aussi envie d'aller pipouzer. Et merci beaucoup, Meire Torose. Maillet-rose, Mérétro-rose. Oh là là, Mérétro-rose. C'est compliqué ton pseudo. Mais merci beaucoup pour ton follow. Bienvenue à toi. À la prochaine, chez le Cusco. Avec plaisir. N'hésite pas à repasser. Alors, Bichette. Ouais, vas-y, tu peux jeter si tu veux. Oh, il y a un petit lapin-pin qui est là. Et lui, il s'admire. Oh là là, qu'est-ce que je suis beau gosse. C'est l'enfer de la monde. Qu'est-ce que je suis beau gosse, c'est vrai. On va prendre des restes. Ouais non, c'est pourri ma cocotte. Viens là. Ah non, tu nettoyais, je pensais que tu voulais manger. T'es bien. Elle est bien cette petite, elle apprend les... Dans 3 jours, elle devient ado. Ouais, vas-y, si tu veux prendre des restes, prends des restes. Donc ton père, il se lave la nouille, là. Il se nettoie la nouillette. Donc maman va discuter avec Dahlia. Dahlia, allez là, ça. Toi, eh ben écoute, tu peux aller pisser. Et Melba. Melba. Mais le bas, mais et le haut aussi. Hein. Ah, vous l'aviez pas celle-ci, hein, hein. Je suis incroyablement drôle, moi aussi. Hein. Zut alors. Pas trop galère de réagir 5-6. Non, non. Oh, j'ai l'habitude. Il y en a que 5, j'ai envie de dire. Là, ça va. Quand j'en ai 8, c'est un peu plus compliqué. Salut, Safra, comment tu vas? Tu fais des lives tous les combien de temps? Alors, normalement, c'est tous les jours sauf les lundis et jeudis. Voilà. Comme ça, tu peux venir les autres jours. Il s'est donné un nom à un lapin pour voir s'il revient après l'aspirateur. Oui, si vous voulez. On l'appelle comment? On va l'appeler celui-là. Comment qu'on... Cannelle. On l'appelle comment? Comment qu'on appelle le petit lapin de poussière? Poupi Pimpin. Le prochain Cannelloni, mais oui, c'est ça. Piquette. Il a pas les yeux rouges encore celui-là. Poussière. Poussière.
Je sais. Lapincière. Parce que lapin poussière. Voilà. C'est lapincière. Ouais, je sais, je suis créatrice. Un palin, c'était pas loin, finalement. La pincière, ça ressemble à rien, mais bon. Oh, il est trop chouchou. Moi, j'aime bien. Ils sont mignons comme tout. Tu devais pas manger, toi, Jacqueline? Si. Mange ta compote. Ah merde, elle va aller en cours. Oh non, elle va aller en cours avant d'aller... Bon, bah tant pis. Cette peluche de poussière... 505 simflouzes. Oh ma mince alors. Tabarnak. Toi, j'aurais dû te mettre devant la télé pour que tu t'occupes. Et merci beaucoup, Camille Desia, pour ton follow. Bienvenue à toi. Oh. On va faire les 2200, hein, les enfants. Le jeu de mots. Ah non, mais... Ah! J'ai envie de reprendre les temples, hein. Je pense que ce week-end, on va faire du Sims 3, les enfants. Il faut qu'on aille visiter le reste des temples avec Jacqueline. Comme ça, après, on arrêtera l'Egypte et puis on ira ailleurs la prochaine fois. Parce qu'on l'a pas eu, là, le truc du pharaon, là. On n'a pas eu ça. C'est quoi, la musique? Ah! Par contre, on commence à avoir les particules. Ça commence à devenir un peu cradingue. Avant que t'ailles bosser, tu peux tout vendre ça. Tu peux faire évoluer. Donc, tu vas faire évoluer. Voilà. Il va aller bosser, lui, à 9h. Ouais, donc... ouais, bah, il aura pas le temps de faire autre chose. Nickel. Au moins, il se sera occupé du jardin. Bon, toi, cuisine. Oui, bah, fais ça. C'est pas grave. Est-ce que la pincière, tu peux le caresser? Et demander à la pincière. Il sera notre petite peluche. Oh la vache. Moi, j'irai pas quand même foutre mon nez et ma bouche dans une teinte poussière. Hein. Ah, c'est l'heure de boire. Qui est mort? Alors, on va faire ça. On va faire ça. Excusez-moi, je me resserre un peu. Parce que on m'a demandé de boire. Donc, je vais boire. Oh, trois enfants. Putaise. Ça suffit, oui. Mais laissez-moi tranquille. La vache. C'est pas possible. Mais ça va aller. Je peux faire... trois enfants, hein, seulement. Vas-y, renourris de la poussière. Et à la tienne, Marine. Et salut, Camille. C'est dégueulasse. Ah non, c'est complètement dégueulasse, hein, on est d'accord. Hein. Marcher dessus. Ah, tu peux plus? Ah, est-ce qu'on vient de le faire? Non, elle va pas l'aspirer quand même, mais bon, si tu veux, tu peux vider. Après, t'iras te prendre une douche pour t'habiller, parce que... Il y en a qui vont encore me dire, mais pourquoi elle est toujours en sous-vêtements, ta bonne femme? Je sais pas. Et tu vas venir aspirer. Voilà, tu vas venir aspirer là-haut. En même temps, c'est pas très grave si on gagne pas trop de sous pour... Enfin, si elle travaille pas, c'est pas un souci. Parce qu'en vrai, le truc de photographe, c'est sympa, mais c'est long à faire. La carrière, donc... pour l'instant, voilà. Alors, pause déjeuner. Chamallow a environ 30 minutes de temps libre à l'heure du déjeuner. Que doit-il en faire? Est-ce qu'il va à la salle de sport ou est-ce qu'il lit les blogs de conseils de carrière? C'est à vous de me dire. Est-ce que Martial est assez rapide pour faire un petit sondage? De toute façon, vous étiez vachement plus pour le sport. Alors, c'est parti. On va à la salle de sport. Fitness 400... Ça veut dire quoi, 480? Bon, il a gagné en sport. C'est pas plus mal. Tu vas discuter avec les collègues un peu. Je vais lui annuler ça. On va donc appeler une femme de ménage. Tiens,
Sakura, Sakura n'a plus de petits bibous dans la tête, dans le ventre, dans la tête, n'importe quoi. Non, tu aspires pas. Eh, comme quoi elle est obsédée, hein. Acheter un service. Domestique ponctuel. Tu vas l'inviter à entrer. Et prends des restes. Jeudi à 11h30. Ah, donc elle va arriver maintenant. Elle va arriver maintenant, la femme de ménage. On va voir si elle vient faire l'aspirateur ou pas. 48%. Ah, vache. Mais qu'est-ce qu'elles ont là? Les fausses jumelles alors? Elle partage des incertitudes et des ragales. Quoi? Ça fera 42? Bon, bah la femme de ménage ne passe pas l'aspirateur. Hein, voilà, elle est même pas rentrée qu'elle est repartie. Comme ça, moi, c'est réglé. Vous le saurez. C'est des pas... La femme de ménage ne passera pas l'aspirateur chez vous. C'est plus les verres d'eau, maintenant c'est l'aspirateur, c'est ça. C'est la nouvelle obsession. Ordonnez à Sakura de faire le ménage. Allez, vas-y. Non, pas la pincière. La pincière. Non, vas-y. Va faire des câlins à la pincière. Mais ah, mais non, mais... Mais regardez pourquoi elle fait l'aspirateur alors que j'ai rien de sélectionné. Pourquoi elle passe l'aspirateur alors qu'elle l'a pas dans ses tâches? Mais c'est pas possible ça, ça va. Mais alors? Bah fais-toi copain avec la pincière. Sinon il va s'en aller. Miam. Tu vas retrouver tes gosses en piteux état. Pourquoi faire? C'est pas grave. Ils le sont déjà. Alors 680 boules. Allez. Et est-ce qu'on est très copains avec ou pas? Moi je sais pas. Est-ce qu'on a un lien d'amitié? On a Merguez et Roger. Mais c'est tout. Hein. Mais tu devais pas manger? Où est-ce qu'elle a mis sa bouffe? Manger plat de fish and chips. Bon, après, tu passeras le ménage, hein, puis c'est tout. Hein. Enfin, tu passeras l'aspi. Hein. Alors, on va aller voir ce que notre ami Sakura nous a pondu. Elle a eu une petite fille qui s'appelle Elodie. Et elle l'a eu avec Jean-Eude, qui s'est marié avec Luna. Oups. Bon, Jean-Eude, il a semé, hein, un petit peu quand même. Hein. Donc Jean-Eude, finalement, on les avait mis ensemble, ils sont pas restés ensemble. Hein. Mais ils nous ont quand même fait un gosse. Bon, voilà, c'est le MCC, hein. S'étonne jamais. Carrément dehors. Ouais, ouais, non, mais oui, c'est... Mais aspire. Mais quand je lui demande d'aspirer, elle le fait pas. Mais c'est une blague quand même. Et elle le mangeait pas. Qu'est-ce qui se passe? C'est là-haut? Je bouille? Je ne sais pas. Je suis dans mon lit, si je réponds plus, c'est que je me suis remis comme un caca. Mais Marie, il est 20, même pas 22h. J'en veux la trompe à quoi? Ah non, bah non, non. Enfin, oui. Mais il est carrément marié avec une autre. Je pense qu'ils se sont séparés, il est parti avec une autre, et puis ils ont continué à se voir, quoi. Avec un bras pas facile d'aspi. Est-ce qu'elle travaille son fitness? Non.
Je ne sais pas. C'est long à aspirer là. Mais t'as pas aspiré? Il reste encore les lapins. Ah non, je suis pas avec le bon Sims. Ah, tu passeras l'aspirateur. Ouais. Oh, Sakura, qu'est-ce que t'es drôle. Alors, comment va Jean-Eudes? Pourquoi il me dit que ça... que c'est clean alors qu'on voit bien que c'est pas clean? Je vois des trucs qui pétillent, là. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Mais pourquoi tu vas faire ça dehors? Ils sont bizarres. Bon, on n'a toujours pas fini l'aspiration. J'ai envie de finir l'aspiration aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en pensez? Il nous reste pas beaucoup, il reste 24%. On va le faire travailler. Il faut que tu passes l'aspiration. Ah, ça y est, c'est propre. Parce que lui, il va pas être bien. Tu vas venir aspirer ici aussi. Hein. Je te le dis, moi. Moi aussi je suis fatiguée. Je suis pas à 22h dans mon lit. Mais elles mangent pas? Ils ont un problème de bouffe? Mais bah, rencontrer Hélène. Pourquoi elle mange pas sa, son plat? Je comprends rien. Zèle perfectionniste. Fait du ménage ou passe l'aspirateur sur un sol déjà propre. D'accord. De toute évidence, le meilleur moyen de garder une maison propre est de la nettoyer avant qu'elle ne devienne sale, en continuant à faire... J'ai pas le temps de finir. Bonjour les enfants! Vous nous avez ramené quoi à manger? Ah bah tiens! Le v'là! Alors Jean-Eudes, tu dragues? Ah oui! Ah oui, oui, tu dragues. Salopio, va. Qu'est-ce que c'est que ces choses, là? Puis en plus, avec leurs lunettes de soleil, leur look. Ah! Quelque chose avec des yeux bleus. C'est pas mal. Hélène de la Cruz. Rien que ça. Tiens, mon petit Toya. Va te présenter à Hélène de la Cruz et à Charlotte Adams. Qui est tristesse, apparemment. Toi, tu peux aller te laver. Toi, tu peux aller manger. Mais qu'est-ce que... Mais tu fais quoi? Mais elle est buggée, hein. C'est pas possible. Viens ici. Tu t'as pas été aux toilettes. Tu viens d'y aller, mais t'as pas été. I don't understand what do you do. Yes. Yes, I'm speaking very well English. And what? Quelque chose aux yeux bleus, ouais. Bah, disons qu'avec le look et tout, tu sais pas trop quoi. Quoi il ressemble pas forcément à... Si, elle arrive à manger, elle. Bon, ça va, c'est pas buggé. Alors? Et elle est comment, elle? Parce que, à part faire la gueule, c'est quoi sous ces lunettes là? C'est des yeux marrons. Vous connaissez mon amour pour les Sims aux yeux marrons? Ah là là, mais ils vont jamais bien ces gosses, de toute façon. Chaque fois qu'il y a des gamins qui viennent à la maison, ils sont tout le temps pas bien. Ça me déprime. Et merci beaucoup, Stouya! Stouya? Stouya, pour ton follow et bienvenue à toi. Merci beaucoup. Tu fais à quelle heure le Legacy? Bah Léonie, ce sera forcément après le Not So Berry, hein. Manif anglais. Je pense qu'il manque un morceau, mais j'ai compris. Ouais, elle est malade. Alors, on est jeudi, donc il y a encore cours demain. Donc, les devoirs. Les devoirs, quand il y a espoir. C'est pas ce soir que tu feras devoir, donc que tu les feras maintenant, ouais. Il y a que lui qui fait connaissance parce que... C'est des possibles... possibles.
Oula, oula, oula. Elle lévite. Elles ont fait de la lévitation. Sont-elles donc possédées par le démon? C'est bon, t'as aspiré là-haut, moi. C'est propre. Oh, t'iras faire caca après si tu veux, ma petite. Tu reviens quand il va se détendre parce que sinon il va revenir tout stressé, il voudra pas écrire. Ouais, bon, trop tard. Il est déjà très stressé. Allez, va te prendre un bain de mousse. On va te donner un bain de mousse. Bain de mousse. Il n'y a personne qui doit aller aux toilettes. On est d'accord? Il n'y a pas de drama qui va arriver si toi... Tire à là-haut. Hein, parce que... Papa, il a envie de se détendre. Donc, il se détend. Vas-y, papa. Vas-y, cham-cham. Oui, ça sent bon. Oui, ça sent bon. Il y va tout habillé, le mec. Laisse tomber, c'est des monstres. C'est quoi qu'il y a des monstres? Margaret Miller, faites-nous un signe. Ouais. Ah, ça, pour me faire un signe, elle en a fait des signes. Sacré signe, hein, de vie. Hein. Enfin, de vie. Pour me tuer, ça, c'est sûr qu'elle était là. Hein. Alors, attention, niveau faible. Bah, vas-y, joue avec. Joue avec les deux. Toi, t'as déjà fait tes devoirs. Bon, écoute, tu peux jouer, hein, vas-y. Parler, se renseigner sur le passé, parler, se renseigner sur l'hibernation. Non, je suis pas intéressée. Ça va mieux? Ça te déstresse. Tu finis ton aspiration, mon biquet, hein? Tu te couches pas tant que t'as pas fini. Ça va, il bosse pas. Il va rester debout toute la night. Moi, je vous le dis. Ah, les enfants qui bugent. Les enfants du démon, tu veux dire. Après, il va essayer d'admirer son beau reflet. Non, pas de se calmer de son beau reflet. Voilà, Chamallow est tout beau, tout propre. Là, il va essayer d'admirer, il va faire « Oh, qu'est-ce que je suis beau !» Ouais, je suis sexy. Voilà, il va mieux, il est inspiré. Il va nous écrire un livre de genre poésie. Qu'est-ce que vous avez comme titre de livre de poésie? Ah, Martial est reviendu. Ton absence a été remarquée malgré toi. Il est déjà 22h. Ça fait 1h52 qu'on est sur la note Sauberry là, donc va falloir s'activer. En 8 minutes, je dois torcher l'aspiration. Ah bon, qu'est-ce qui se passe? La mélodie des lapincières. Allez, Justine, c'est beau, c'est poétique. Et ça va vite. Hop. C'est parti. Les autres, je les laisse gérer. Tant pis. Focus, cham cham. Il finit son aspiration. Je suis sexy. Et concentre-toi, Chamallow. Il a déjà fini son livre. Oh, il est à 6%. Allez, je m'en fous, tu t'entraînes à écrire. Pour les 4% qui restent, on refait pas un bouquin. En plus, ça, le jeu, il m'arnaque de 96, il m'a remis à 95. 97. 98. Oui. Allez, continue. 99. 100. Oh oui, c'est un niveau 10. En compétence écriture, et tu vas vendre à un éditeur un livre fantastique. Tu vas tous les foutre, on s'en fout. De toute façon, du moment que on arrive à finir l'aspiration, moi je suis contente. Eh, viens, il nous reste
terminé 3 best-sellers. On l'a pas fait. Tu nous as pas fait de best-seller? Excellent. Tu déconnes. On est obligé d'en refaire deux. Tu m'as pas fait de best-seller. Je vais le tuer. Tu manges. Direct. Toi, tu t'en vas. Alors là, ça va être le marathon. Je veux finir l'aspiration aujourd'hui. Je le veux. Écrire un livre de genre. Fantasy. Et allez-y pour tout de suite vos titres. Fantasy. Fantaiso. Et elle tricote. Allez hop, tac tac tic tac touc. On veut un best-seller. Cuisine. Qu'est-ce que vous avez? Allez, le seigneur des lapins, j'aime. Désolé Safra. Désolé Safra. C'était trop court, il fallait que tu embellisses un peu le truc. Non mais c'est bien, c'est le jour des lapins aujourd'hui. Allez, un best-seller, on s'en fout, pense pas à ton fils. Projet de tricot terminé, c'est super. Devoir terminé, super. Waouh, vas-y, mets-le sur Plopsy. Ah, attends, ça, tu vas l'ajouter à la garde-robe pour les enfants et ça sur Plopsy. C'est quoi tout. Ah, c'est lui qui fait des trucs. Il est en train de faire de la soudure là. Tiens, tu peux apprendre les choses de la vie à tes gosses, tiens. Être poli par exemple. Non, il a cassé. Mais. Tu vois pas qu'on perd du temps le jeu là? On s'en fout. Toya, il parle pas à son père. Toya, s'il veut faire quelque chose, il fait sa vie, il va se laver. La relou. C'est rare les best-sellers, j'en ai fait plusieurs d'aller avant de compléter cette partie d'aspiration. Bah non, mais le pire c'est qu'on en a fait avant. Avant d'arriver à ce niveau-là de l'aspiration en vrai. On en a fait plusieurs, donc ça me flingue. Salut Hugo, comment vas-tu? Il est en train de creuser un tunnel pour s'échapper. Bon, ça va. Il a une belle vie, Roger, quand même. C'est Chamallow qui a roté. I am shooked. Je suis Keiko, comme dirait... Alors, fais-moi voir. Best-seller ou pas best-seller? C'est un excellent. Eh, un scénario. J'avoue que là, le temps que vous écrivez un truc, un scénario... Allez, ça brille chez moi, poussière, c'est très bien. Après, c'est pas avec un S, c'est avec un CCDI, parce que c'est cela, et pas la brille de quelqu'un. Mais je prends. On veut un best-seller. Tu dormiras pas. Bon, il sera obligé. Oh non, je vais terminer maintenant. Les bellers sont plus faciles en classique. Il n'y a pas de trait terrain qui pourrait t'aider à baisser. Ah, je sais pas du tout. En classique, c'est quoi? C'est-à-dire. Va te coucher, toi! Non, laisse ton père travailler. Les poussières sont revenues. Les poussières sont revenues. Il va devoir se pisser dessus. Fais-moi voir. Excellent. On va pas y arriver. Eh, hey, un moyen vite pour se remettre en... pour remonter le divertissement. Le crac-crac, c'est le meilleur moyen. Mais qu'est-ce que quoi? Mais quoi? Mais non! Mais vous êtes des fous! Vous respectez pas ce que je vous demande? Mais toi, dégage! Mais va dormir, sérieux! Oh! Bon sang! M'énervé, mais... Mais c'est pas vrai!
Au secours. Ils veulent plus faire crac crac, mes Sims. Mais... Shirley reste zen. Non. 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 Qu'est-ce qu'ils ont? Qu'est-ce qu'ils ont tous aujourd'hui? Ça va pas aller, ça. J'ai dit faire crac crac, c'est faire crac crac. Ça suffit, maintenant. Visionnaire à 2000 mois de satisfaction pour aider les best-sellers. Bonne nuit, Lydie! Des bisous! Il y a un trait de caractère. Ouais, mais de toute façon, pour aujourd'hui, ça va faire trop tard parce qu'on a dépassé les 2 heures. Il va tomber dans les pommes. Et c'est tant pis. On va donc se quitter ici. Les enfants iront à l'école. J'enregistre. On terminera l'aspiration la semaine prochaine. Et je pense que du coup, outre l'aspiration, on finira également la compétence 10 en bien-être. Parce qu'on n'aura plus que ça à faire. On est quand même pas très très loin pour compléter tout ça. Donc tant pis, hein. On y arrivera, on y arrivera. Je vais remercier et faire des bisous à YouTube. Merci d'avoir regardé cette rediff. Désolée, elle était un petit peu longue encore une fois. Et n'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitch à l'occasion. Et sinon, à la semaine prochaine ou à très bientôt sur ma chaîne. Des bisous. Ciao.